at speed to the city streets. We began to feel the fire. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Vous voyez ici? Eh ben, je vais vous faire un haul. J'ai tout simplement pris des choses, donc trois choses exactement, pour faire mon rangement donc spécial résine. Alors après, c'est pas conçu pour la résine, hein, ce que je vais vous montrer là. Mais j'ai pris trois choses pour la résine. Et puis, j'ai pris également quelque chose que je vous avais parlé, que je vous avais dit que je commanderais dès que je pourrais, puisque je l'avais en grand. Et là, je l'ai pris en plus petit. Alors, je pense qu'à mon avis, vous avez peut-être deviné ce que j'ai pris. Le carton est très gros. Vous voyez, il est très, très gros, sachant que même on l'a jusqu'à ici. Donc, imaginez bien. Donc, je vais le mettre de côté et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. C'est pas du tout une collab, hein. C'est moi qui ai passé une commande. Et tout simplement, par contre, comme je fais d'habitude, je vous mets les liens des produits en descriptif de vidéo. Comme ça, au moins, si vous êtes intéressé, vous les retrouvez directement. Je fonctionne toujours comme ça maintenant. Donc, allez, c'est parti. Je mets cet énorme carton que je vais recycler et je vous montre ce que j'ai pris. Déjà, la première chose que j'ai acheté, vous voyez, d'un coup là, hop, le carton était là, hop, vous voyez, j'ai pris ceci. Donc, c'est un rangement comme ceci. Voilà, donc il est en plastique ici, comme ça. Et en fait, ça fait des petits tiroirs, voilà, que vous tirez. Vous pouvez même l'accrocher au mur. J'avais pas vu ça, c'est cool. Moi, je vais mettre tout ce qui est les petits pots de paillettes, les petits embellissements, etc. que je vais me servir pour la résine. J'en ai pris qu'un puisque j'arrivais pas à me rendre compte de la grandeur. Donc voilà, pour l'instant, j'en ai pris qu'un. Et je pense que j'en reprendrai un autre puisque j'en aurai pas assez de 9 cases, clairement, pour tout ce que j'ai à mettre dedans. Et je vais surtout voir si, à la rigueur, si je peux en racheter deux, si les trois passent du coup dans la longueur à côté, ça serait vraiment tip top. Donc vous voyez, même des choses de scrapbooking, vous pouvez vous en servir pour mettre des choses de résine. Donc première des choses que j'ai pris, c'est ceci. La deuxième chose que j'ai pris, donc bien évidemment avec, hop, nous avons la facture et la petite sucette que je garde de côté. Voilà, tout simplement. Et puis, ben, c'est souvent que la sucette, on me la pique. Et du coup, l'achat, voilà, c'est ceci. Puisque ici, vous devez apercevoir, j'ai la grosse guillotine que j'ai achetée de la marque Artemio. Pareil, que j'ai acheté sur la même boutique, donc sur Craftelier. Et je vous avais dit que je voulais une plus petite. Vous voyez, là, elle fait jusqu'à 16 cm à peu près. 15,70, voilà, et elle est pas grande du tout. Alors moi là, je vais pas la déballer puisque je vais vous en faire une revue très prochainement. Donc c'est une toute petite guillotine comparée à la très grosse. Je vais vous faire une vidéo sur cette guillotine là et je pense qu'après je vais vous faire un VS celle-ci, VS la grosse guillotine, pour vous dire les avantages, etc. Si vraiment ça sert d'acheter une plus grosse ou une plus petite, etc. Voilà, je pense que je vais vous faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je trouvais ça bien. Et là, on peut aller, vous voyez, jusqu'à donc 2 cm. Allez, 1,5. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et puis après, elle n'est pas très grande parce que de hauteur, je vais vous dire. Donc là, 15,70 et vous pouvez couper 22 cm. Après, vous avez la butée ici, donc vous ne pouvez pas plus. Mais je vais vous en faire une revue. Voilà, prochainement, je vais vous faire une revue. Donc ben, vous pouvez tout couper. L'avantage de la guillotine, plus besoin d'acheter des lames. Puisque moi, je me sers beaucoup de celui-ci selon le tuto que je fais. Mais les lames, au bout d'un moment, clairement, ça s'abîme très, 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 très vite. C'est pour ça que j'avais investi dans la grosse guillotine. Et là, je vous avais dit que j'en voulais une petite parce que pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Quand il me faut que je coupe des petits morceaux, au lieu de prendre la grosse guillotine, vous verrez, les deux à côté, c'est, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que voilà, je voulais prendre l'Artemio. Voilà, après, il y a plein de marques, mais l'Artemio m'avait l'air plutôt pas mal du tout. Voilà, donc auto-affûtage pour une durée de vie plus longtemps et un entretien réduit, mais c'est exactement ça. Voilà, donc vous en ferez une petite revue. Donc j'ai pris ça. Toujours pour dans mon rangement. Ici, je vais mettre, comme je vous ai dit, les petites paillettes. Du coup, j'ai pris ce lot de paillettes. Il me semble qu'il y avait couleur vert aussi. Ouais, je crois qu'il y avait vert et je crois qu'il y a une autre couleur. Mais moi, j'ai pris dans les tons de gold. Et ici, c'est un petit peu... comment dire ? J'arrive pas bien à voir le reflet. Je dirais que c'est un petit peu marronné. Donc voilà, des petites paillettes. Bon, clairement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 12 grammes en tout.
Voilà, donc c'est pas énorme, mais voilà, moi je voulais des petites paillettes parce que vous savez que je suis à la recherche de paillettes pour tout simplement ma résine. Et les tons là, ils sont vraiment très jolis. Vous les voyez bien, aujourd'hui il fait beau, donc j'ai de la chance comme ça. Et pour terminer, hop, ici, j'ai pris deux choses qui sont très bien scotchées. Voilà, donc il y en a une ici et je vais vous montrer la deuxième qui n'est pas du tout scotchée. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris des boîtes roses, des très grandes boîtes roses. J'en ai pris deux et j'en reprendrai. Je voulais vraiment savoir la hauteur puisque ça va être mon rangement également pour mettre les moules. Alors j'avais des boîtes, mais qui dit nouvelle activité, nouvelle passion, ben, je me suis dit Charlène, tu vas t'acheter des boîtes. Donc j'ai pris deux boîtes roses. Elles sont très très grandes. Vous voyez déjà, niveau ici hauteur, vous pouvez mettre jusqu'à 6,5, 7. Et par contre après niveau grandeur, vous voyez votre feuille en 30-30 par exemple, ici j'ai mes feuilles en 30-30 rouge coral puisque vous le savez que je suis en train de faire un album. Vous voyez, ça passe large et j'ai encore tout ça ici sur le côté. Donc j'ai envie de vous dire, de la place, vous en avez beaucoup. Donc là j'en ai pris deux et puis je pense que je reprendrai encore deux. Je vais essayer de faire, en fait je vais faire des boîtes, en fait un ça va être que les tout petits moules, l'autre ça va être peut-être que des boîtes, etc. Voilà, donc déjà là j'en ai deux, donc je fais avec ce que j'ai et puis après j'en rachèterai je pense d'autres puisque franchement je les trouvais pas super cher niveau qualité. Très bonne qualité, donc très contente. Donc du coup ben voilà, j'en ai une ici et j'ai l'autre juste derrière. Vous voyez, c'est pas un gros craquage. Comme je vous l'ai dit, maintenant quand j'achète, c'est vraiment des choses que j'ai littéralement besoin et non pas parce que voilà, je l'ai vu sur une chaîne que je vais dire je vais l'acheter directement. Là je voulais des boîtes pour mon rangement, donc je les ai pris. Je voulais des petites cases comme ça, donc maintenant que je l'ai reçu, je vais voir combien je peux en acheter pour en fonction de mon rangement, voir la place que j'ai dedans. Bon, les petites paillettes, voilà, elles n'étaient pas chères, donc du coup, je les ai pris. Et c'est surtout le délit de cette commande, c'est ceci, puisque je vous l'avais dit que je le voulais absolument. Et ben là, du coup, je l'ai acheté. Voilà, pas un gros haul, mais c'est tout simplement ce que j'avais besoin. Donc ben, écoutez, maintenant, je vais aller tout ranger ça. Et puis, je vous ferai, je pense, d'ici une semaine et demie, le retour de cette guillotine-là. Et puis, si au cas où vous le voulez, vous me le marquez dessous en commentaire si vous êtes intéressé pour la vidéo VS celui-ci, VS la grosse guillotine qu'il y a ici. Voilà, si j'ai au moins 10 commentaires qui me disent on veut un combat des deux guillotines, et ben je vous la ferai. Et ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une très 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 belle journée. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et je vous envoie plein de gros bisous.